Une cordée de la réussite, c'est un partenariat entre un établissement d'enseignement supérieur et des établissements du secondaire, donc collège, lycée, dit en cordée, et qui relève du réseau d'éducation prioritaire. Monter une cordée de la réussite, c'est un levier pour l'égalité des chances et c'est également un moyen de lutter contre l'autocensure, contre les différents déterminismes et les disparités territoriales et sociales. L'université s'est donc associée avec des jeunes volontaires de deux collèges et deux lycées des villes de Saint-Ouen-sur-Seine, La Courneuve et Paris. Et donc partenaire de ces établissements dans le cadre d'un projet Cordée de la réussite qui s'appelle Compass. Compass, c'est cordée, orientation et mentorat pour l'accompagnement vers le supérieur. Le projet Compass a permis notamment la co-organisation d'un forum annuel autour des métiers de la santé et des carrières scientifiques en vue de l'implantation du campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord. Les jeunes et leurs familles ont pu prendre connaissance de l'offre de formation globale et échanger avec des étudiantes ambassadrices. Je leur dis que le meilleur moyen, c'est de venir aux journées portes ouvertes, au salon étudiant, de ne pas hésiter aussi à consulter les sites, de poser des questions, de se référer aux professeurs. On les accueille pour leur faire visiter un petit peu les lieux ressources de l'université. On leur présente la vie à l'université. C'est pour ça que les premières séances ont eu lieu dans l'établissement pour instaurer une petite confiance avec l'étudiant ambassadeur, mentor, référent. Et ensuite, on les accueille à l'université dans le cadre des stages. Donc ils assistent à des ateliers en bibliothèque, ils ont visité des laboratoires. Sensibilisation auprès de laboratoires partenaires ou découverte d'un enseignement professionnalisant comme ici, à l'IUT de Paris-Rive-de-Seine. Des lycéens en cordée ont ainsi pu assister à des cours auprès d'étudiants et à des démonstrations de produits innovants. À l'issue de ce stage et de ce dispositif, ils ont un choix éclairé sur l'environnement de l'université.